Tous en file indienne pour le screen, non mais comment ça? Ils sont vraiment en train de faire la queue pour faire des screens avec moi? Bref, salut! Aujourd'hui, je vais vous raconter un truc marrant qui vient de se passer. Vous connaissez tous Siphano, je pense que sur ce coup-là, il n'y a aucun problème. Et bah, pour ceux qui savent pas, Siphano, de temps en temps, bah, il organise des événements dans Minecraft. Donc, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il organisait la Cité des Nations. C'est un événement qui a fait énormément parler de lui, hein, sur Twitch et sur YouTube, vraiment, je pense que toute la France a entendu parler. En gros, il y avait des équipes de plusieurs pays qui devaient se taper dessus dans Minecraft pour récolter des émeraudes, c'est un résumé un peu nul, mais voilà. Il y a la vidéo de Gep, en vrai, qui en parlait super bien, il a fait une super vidéo hyper longue et tout. Qui résumait tout le truc, c'était génial. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec moi ce truc? Ah, parce que j'ai pas participé à ça, moi. Pourquoi j'en parle? Et bah, parce que suite à ça, il s'est passé un petit truc. Déjà, faut savoir que pendant cet événement, il y avait la team des USA, la team des Anglais. Bah, ils ont tous rage quit en fait. En fait, il restait que à 6D. Donc, Siphano et tout le monde sont tout simplement mis à recruter de nouveaux gens. Ce qui fait qu'au final, il y avait du coup énormément de Français dans la team des Anglais. Ça n'avait aucun sens, mais c'est comme ça. Du coup, bah, parmi ces Français, il y a des gens que je connaissais. Enfin, voilà. Ouais, par exemple, il y avait Faster, il y avait à 6D. Enfin, voilà, je les connais bien. Par exemple, à un moment, en plein milieu de l'event, Faster, il a dit dédicace à Multigore. On sait pas pourquoi. Mais d'accord. Donc avec tout ça, un moment, Siphano s'est dit qu'il allait peut-être pouvoir du coup contacter des nouveaux gens pour peut-être des prochains events, etc. J'ai pas besoin de tout vous raconter. Voilà, regardez, je vous passe cet extrait. À un moment, ce qu'a dit Siphano en live. Et tu vois, et par exemple, t'avais des mecs comme peut-être que vous, les pseudos, ça vous parlait. Moi, ça me parlait pas. Il y avait des mecs comme Multicore, Soran, Jean-Fils. Tu vois, genre, c'est des mecs qui aujourd'hui genre cartonnent sur YouTube. Et ces mecs-là, genre, on les invite jamais, tu vois. Et alors, parce qu'on les connaît pas, mais en vrai, il y a plein de gens côté français qu'on pourrait inviter. On pourrait faire plein de teams et tout. Et genre, c'est pour ça que je vous dis, un event français n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc voilà. Et en fait, la chance que j'ai, c'est qu'effectivement, je pense que ces mecs-là sont assez jeunes. Et je sais pas si c'est pour ça, je sais pas s'ils m'ont regardé ou pas il y a quelques années, mais en tout cas, ils me suivent sur Twitter, tu vois, alors que moi, je les connaissais même pas. Et à peine j'ouvre Twitter et je vois qu'ils me suivent. Donc, vu qu'ils me suivent, je peux les MP. Donc, ça me coûte rien de demain à envoyer un MP en mode salut, on fait tel event, il nous manque une team, est-ce que tu veux participer, machin, tu vois. Et genre, et je pense que la commu française serait contente de voir aussi des nouvelles têtes et des mecs qui émergent et qui suivent et tout. Donc, voilà, c'est assez stylé. Hein. Siphano a parlé de moi et de Soran, que je connais très bien depuis des années. C'est quand même fou, hein, parce que Siphano, c'est pas n'importe qui, quoi. Siphano, genre, moi, je suis là, moi, je fais des vidéos sur Minecraft et genre, Siphano, il se met à parler de moi et enfin, waouh. Il y a quand même beaucoup de gens, par contre, qui me suivent sur le serveur, laissez-moi tranquille. J'ai l'impression d'être en sortie scolaire. Allez, venez les enfants, allez, venez les enfants, suivez-moi. Non, parce que Siphano, ça doit faire au moins 7-8 ans que je le regarde. Parce qu'à l'époque, Siphano, enfin toujours maintenant, mais à l'époque, Siphano, c'était même encore plus gros. Enfin, à l'époque, Siphano, vraiment, tout le monde regardait tout le temps. Enfin, je sais pas, il faisait des milliards de vues. Enfin, waouh. Moi, j'ai commencé à jouer à Minecraft 2011-2012. Bah, Siphano, c'était la star number one, quoi. J'avais déjà dit plusieurs fois, mais si j'ai commencé YouTube, c'est presque en gros grâce à Siphano, en fait. Parce qu'en gros, je voulais un peu faire comme lui, toi, je voulais pouvoir aussi participer à des events, faire des gros trucs. J'ai déjà dû le dire vite fait dans des FAQ, mais ouais, c'était vraiment en voyant ce genre d'event et tout qu'il faisait entre amis, je me suis dit, j'ai tout pris envie de faire ça, en fait. Donc voilà, je m'étais juste dit ça sur le coup, voilà, quand j'étais petit et tout. Donc on peut dire que ça fait très longtemps, en gros, bah, que je peux très bien faire des events avec des amis, je peux très bien faire des survies avec des amis, faire des trucs et tout hyper stylé comme ce que je voulais faire il y a quelques années. Sauf que ce que je voulais vraiment quand j'étais petit, c'était bah vraiment, enfin vraiment ce que j'aurais pu vouloir du top, ça aurait été faire des events comme Siphano avec Siphano, genre vraiment ça aurait été impensable ce truc, impensable. Donc, c'est un truc vraiment impensable, honnêtement, je dis que jamais dans ma vie j'y arriverai, mais en fait c'est un peu ce qui va se passer. Parce que là, Siphano, en gros, il a dit qu'il allait m'inviter dans des prochains events, par exemple s'il y a encore des cités des trucs, et bah clairement je serai invité. Donc on est en train de me dire que moi, le moi, il y a Siphano qui me connaît, qui me follow sur Twitter, bien sûr, je l'ai pas dit, mais bien sûr, il me follow sur Twitter, il y a aucun problème. Limite, on est devenu potes. Hein. Allez, viens, Siphano, on va boire une bière. Voilà, il s'en passe des trucs méga stylés, c'est fou ce qui arrive, et en vrai, c'est vraiment grâce à vous, parce que, genre, bah, si j'avais 4 abonnés 50, on n'aurait pas pu faire ça. Vraiment, je reviens pas, c'est génial, mais à un point, c'est fou. Je vous adore, dites-vous vraiment grâce à vous, bah là, mes rêves devraient être une réalité. Enfin, moi, c'était juste un rêve que j'avais quand j'étais petit, et j'avais oublié, mais en fait, bah, maintenant que j'y repense, c'est trop bizarre. Non, mais vraiment, dans ma famille, en plus, tout le monde est fan de Siphano depuis des années, genre, ça fait trop bizarre.